Bonjour Audrey. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci. Alors, vous êtes l'épouse du pasteur Constant Maxime. Oui. Et chantre au sein de l'église La Chapelle des Adorateurs. Vous préparez actuellement une conférence dont le thème est « Femme, Dieu veut te rendre inébranlable ». Alors, pourquoi ce thème? Je pense en tant que servante de Dieu qu'une femme courbée, brisée, blessée par toutes circonstances de la vie, aura du mal d'être utile pour Dieu. Déjà, premièrement, dans la société dans laquelle on vit et surtout pour sa famille. Donc ce thème est là vraiment pour pouvoir permettre aux femmes brisées, courbées, ébranlées de pouvoir se relever. Voilà. Mmh. Alors comment définiriez-vous cette journée du week-end? Ah, une journée de joie, avec vraiment dans la présence de notre papa, hein, de notre Père Céleste. C'est vraiment une journée qui va démarrer de 10h jusqu'à 19h30. Le but, c'est que véritablement qu'on puisse passer une journée avec les femmes, où il y aura des ateliers, des prédications, des témoignages, des moments de louange et d'adoration, de célébration, tout simplement de contemplation, parce que le but de cette journée, c'est véritablement vénérer et adorer notre Dieu. Alors, en plus de vos invités, à savoir les pasteurs Anne-Marie Lebrun, Diane, ainsi que la chanteuse Fatih Daniel, vous allez également intervenir avec cette journée-là. Alors, qu'attendez-vous exactement à l'issue de cet événement? Nous nous attendons véritablement à ce qu'une femme brisée, courbée, qui vit dans l'amertume, qui n'a plus d'espoir ou qui est désespérée, qui ne sait plus peut-être quoi faire, puisse sortir de là avec des réponses bibliques, surtout des réponses bibliques, pour sortir de là vraiment relevée, encouragée. On veut voir de l'espoir dans les yeux, on veut voir véritablement Jésus affranchir, parce que c'est cela vraiment le but de l'évangile. On veut véritablement aussi voir que tous les fardeaux de chaque personne soient véritablement répondus, pas par nous, mais par celui qui exauce les prières, qui est notre Père éternel. Merci. En tout cas, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.